Et nous voilà dans le monde des pacifiques, et vous verrez que ce monde n'est pas si pacifique que ça, du tout. Carnet, on voit pas le... Ouais. Tac. Allez, on va déjà libérer un dragon, c'est fait. Voici Titan. Bienvenue chez les pacifiques. Regarde, nos trésors ont été volés et retournés contre nous. S'il te plaît, retrouve nos trésors, Spyro. Trouvez les trésors, compris. Oh mais... Limite je lui serre la main pour lui dire bonjour aussi quoi. Enfin la patte. Alors le monde est pacifique bien sûr. Hein. Avec... l'histoire de là, on verra ça après. Avec un magnifique canon. Il vient de... Les canons, on va les utiliser. Clairement, c'est un problème. Non, pas Spyro, plus toi. Pire que des légionnaires romains dans la série. Ben, ça va pas cramer, ça va? Quand même, oh. Utiliser le canon alors que je suis à côté, mec. C'est pas sérieux ça. On l'a vu, hein, le Drake. On l'a vu, on l'a vu. Donc là, ça sera la sortie pour le monde suivant. Là, c'est une ville. Il évite des dragons qui se trouvent dans des coquilles de Saint-Jacques. On l'a eu? Ouais, j'ai eu un doute. Ah oui, là il nous faut la clé. La clé qui... Ah non, on peut les péter avec les canons, je crois. Ça, c'est le boss. On va libérer le dragon. Magnus. Hey Spyro, Sparx la libellule t'a très bien protégé. Renforce-le en lui donnant beaucoup de papillons à manger. Le canon. Je pense qu'il va falloir aller au début. Yes. Yes. Ok. Ok, pour ce canon, c'est bon. Attendez, il y en a 200. Ah oui, on a vu ça.
peut pas sauter, là. Faut aller de l'autre côté. Voilà. On l'a vu au fond, on l'a vu, le personnage qui nous embête là. On va dégager ça déjà. On va dégager ça aussi. Gunnar. Bien joué, Spyro. Continue comme ça pour accomplir ta destinée. Destinée ? Je veux juste botter quelqu'un. Occupe-toi seulement de ses ennemis et retrouve les trésors. Nous ne saurons jamais ce qu'il a voulu. Prends la clé. Non ! Attendez, sauvegarde. Voilà. Voilà, easy. Easy ! Drake, il y a le coffre avec la clé qu'il faudra récupérer. Il y a ces choses là. Il y a des trucs là-haut. Non, il y a quelque chose là-bas par contre. Par contre, ah, il y a quelque chose là-bas, mais pour revenir. Mais non ! C'est pas grave. C'est pas grave. On a l'œuf, on le laisse tranquille. On va pas le chercher une deuxième fois, l'œuf on l'a. Allez. De toute façon, on ne fait pas de dégâts. Mais c'est pas vrai! C'est pas grave. Mais non, mais j'y suis là-haut! Dash avant un saut. Non mais là j'ai fait nawak. Là j'ai fait nawak. Là j'ai... Voilà. Je pense qu'on va faire un petit peu de demi-tour, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. De récupérer il y a un coffre avec une clé quelque part. Il est où? Il était de l'autre côté. Hop là, tant qu'à faire ça. Sérieux? Ah bon. Alors, on peut casser des choses. Ce canon, il nous sert. Enfin, tous les canons servent, même si de base c'est pour nous embêter. C'est une utilité propre. On va voir avec l'autre.
Je peux pas le bouger. Et de là, on peut pas les bouger. Et lui. Ah, lui, oui. L'optimiste. On va essayer de trouver, retrouver du moins le coffre avec la clé pendant que eux on repop. Non. Il n'y a que les tentes qui on repop. Le coffre avec la clé. Ah mais je suis bête moi aussi. Il est pas là. Bah mince. Je sais plus où il est. En fait il est au fond, je sais pas. Il est au fond, là. Ou alors il est là-bas. Non. Bon. Lâchez, s'il te plaît. Lâchez. Nickel, merci Majiro. Bah oui, je suis là. Vas-y la clé. Et voilà. Maintenant on peut commencer le monde correctement. On arrive à ne pas mourir. Yes. Début du monde. Alors on est rentré par là. Il y a le portail juste en face. On y va de suite. Direction le canon aride, canyon, pardon, canyon aride. Ouais, c'est mon fauteuil qui grince. Sinon, c'est pas drôle.